Accessoires de qualité, accessoires de marque à portée de bourse, si on va dire. Aller à Yaoundé sans arrêter, jeter la New Look, c'est comme si on n'était pas vraiment allé, quoi. C'est comme si on est en voiture personnelle et on traverse Boumnyébène sans goûter le gésier. En tout cas, on comprend forcément que c'est quelque chose de très intéressant. Alors oui, j'essaie de me remettre là parce que c'est D'accord. justement le bon angle, le temps, n'est-ce pas, pour nos téléspectateurs de prendre les éphémérides ce matin. On va rappeler D'accord. d'ailleurs que pour ce 28 août, on célèbre 28 août, on célèbre les Augustins et Ah, bien d'autres super. prénoms aujourd'hui. Oui, on a de secondaire, Linda, Hermès, Julien, on va penser à un sympathique tonton. Tonton Hermès est un grand fidèle de l'émission. Et puis naturellement, Linda, l'une des rares menteuses que, voilà, que compte notre univers audiovisuel, elle s'appelle donc Linda Teguep. Elle est donc menteuse, je crois que ça se dit, non, menteuse à Canadien International. Et puis, Mais Julien Pestre. monteur, monteuse, on va vérifier quand même. Bon, c'est eux les techniciens, ils savent, C'est hein. Nous, clair. on fait comme on En peut. tout cas, le message est passé. Donc, une chose est sûre, elle travaille au montage à Canal 2 International. Et là, on va se rappeler de toutes les dates importantes du jour. En image, elle s'appelle donc Shania Twain. Elle est née un 28 août 1965. On se rappelle de ses belles chansons à l'instar de From This Moment, You're Still the One I Love, justement. Elle est donc née un 28 août 1965. À une Et époque, puis. quand on ouvrait le bal pour un événement, si ce n'était pas Shania Twain, c'était ou Céline Dion ou les autres. Oui, c'est Et clair. on se rappelle donc que le 28 août, Oui, ouais, pour marque elle. 28 août 1965 marquait donc sa naissance. On va passer à une autre date. On se rend du Oui. côté du Koweït, à l'est évidemment du Moyen-Orient, pour parler de cette 19e province irakienne. Autrefois, ce n'était pas d'ailleurs le cas, alors qu'on a toujours en image Shania Twain. Ce sera le temps pour les fans de l'artiste de se rappeler de la belle romance, l'époque de la belle romance avec les titres comme From This Moment, You're Still the One I Love, justement. Elle est née, on le dit encore, un 28 août 1965. Et là, on va Autre passer à une date, autre date. autre événement. Le 28 août 1990, le Koweït devient la 19e province irakienne et garde quand même sa forme constitutionnelle qui est la monarchie, parce qu'à la tête, on retrouve toujours un émir et puis il y a un premier ministre. Et naturellement, c'est une date très très importante pour les Irakiens, parce que le Koweït est donc devenu une province, ou une 19e province évidemment de l'Irak. Autre date, c'est le 28 août 1963, Oui. marche des droits civiques sur Washington par Martin Luther King, pasteur et de grands défenseurs des droits de l'homme. On se rappelle de ce fameux discours, I have a dream. C'était I donc have a dream. yes, c'était donc un 28 août 1963, et cette marche était donc sous l'impulsion d'un groupe de défenseurs des droits civiques, comme on l'a dit, naturellement, d'organisations religieuses, et avec à la tête Martin Luther King. Et autre date, le 28 août 1996, c'est une date pas du tout reluisante, parce que quelques années plus tard, elle est pacifiée à Tripa. On l'appelait la princesse de Galles, et qui a eu une Diana. si grande notoriété jusqu'ici. Elle a battu le record pour ce qui est naturellement de toutes les princesses du côté de, je crois qu'on dit là-bas, ou Miss, non, c'est plutôt l'église où elle avait convolé en juste noce. Donc, le 28 août 1996, à Londres, le divorce est prononcé donc entre le prince Charles et Lady Diana, après 15 ans de mariage, oui, malheureusement. Lady Di, une légende hein, qui a été arrachée simplement à ses fans, à des personnes qui se servent encore d'elle comme repère Ah oui, aujourd'hui. c'est clair. Et une pensée à l'endroit de cette dame hein, qui a marqué quand même une belle Tout partie à fait. de ce royaume. Et nous, on va souhaiter bien les choses à Augustin Fossi, Oui, notre ça me fait collègue plaisir. réalisateur de Grand Stade et bien Oui. d'autres programmes aussi de sport sur Canal 2 International. C'est les Augustins qu'on célèbre aujourd'hui. Augustin Nolla, un confrère à l'initiative de l'émission de tennis hein, les mardis après-midi sur Canal 2. D'ailleurs, on profite pour faire un clin d'œil à Tara Sport and Entertainment avec qui il travaille, hein, qui prépare encore des challenges pour les semaines à venir. Et Oui. comme d'habitude, Canal 2, partenaire du sport. Et nous sommes le Proche. 28 Et on août. va se rappeler aussi de ceux qui
son passé de vie à Trépas, à l'instar de l'un de ses leaders de l'Union des populations du Cameroun, Augustin Frédéric Kodo, qui, voilà, de regretter, mais moi, naturellement, c'est clair que ça doit raviver plein de choses à sa famille, à sa veuve. Bah, de toute évidence, si vous vous prénommez Augustin, Linda, Hermès, Julien, sentez-vous très, très honoreux aujourd'hui. Voilà. Alors qu'on va marquer la transition, je sais pas s'il faut prendre une transition pour la question. Oui, on va préparer le jingle qui nous annonce le regard sur l'actualité, parce que M. Ndobo Pati Christian s'installe juste à l'instant et vous aurez justement aujourd'hui à comprendre. Autour de ce récent classement maudit. On parle de la résilience de l'économie camerounaise. Jingle. Voilà, le temps de mettre les petits plats dans les grands, parce qu'il est très grand. Il faut ajuster sa caméra à sa hauteur. Et clin d'œil à mon pote Ngas Even, comme Gassa. Alors, on parle d'un sujet intéressant ce matin. Je rappelle. C'est dans le sens plutôt reluisant du terme. En tout cas, on le verra plus clair avec M. Patrick Christian Dobo, qui, pardon, du récent classement Moody's, qui donne plutôt une marge considérable pour ce qui est évidemment de l'économie camerounaise. Déjà, bonjour Patrick Christian, bienvenue. Bonjour Patricia, bonjour à Aimé et bonjour à nos téléspectateurs ce matin, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir comme tous les jours. Alors, l'économie au menu ce matin, classement Moody's, beaucoup n'en entendent pas parler, beaucoup ne savent pas de quoi il est question, mais sa récente sortie vous impose un regard sur l'actualité ce mercredi. Oui, effectivement, surtout qu'il faut dire que on n'était pas très lotis en matière de bonnes nouvelles qui concernent justement l'environnement économique national et même les perspectives avec plus ou moins des raisons exogènes que endogènes. Sur le plan endogène, on sait très bien que la pression des dépenses autour justement de la gestion de questions sécuritaires était un lourd tribut et l'est toujours d'ailleurs pour le trésor public. Côté exogène, en tout cas pour les facteurs qui viennent de l'extérieur, il y a ces fluctuations, pas toujours dans le bon sens, n'est-ce pas, d'un certain nombre de produits qui participent à la construction de notre produit intérieur brut en termes de richesse. Le pétrole qui est dans ses phases fluctuantes, parfois des coûts à la hausse, à la baisse, qui ne permettent pas toujours aux gérants de notre économie, tout au moins au gouvernement, d'avoir la maîtrise sur ces fluctuations parce que ne dépendant justement pas des effets intérieurs. Il y a aussi le coût des matières premières qui n'est toujours pas au rendez-vous avec parfois même la baisse de la productivité dans ces secteurs qui déjà ne sont pas de nature à donner ce tonus qu'on reconnaissait à notre économie. Donc ce classement Moody's qui vient décrit le Cameroun comme étant la deuxième économie la plus résiliente. Si on voulait faire comme quelques-uns, quand ils nous contaient notre histoire à nous, on aura dit la première économie la plus résiliente après celle du Rwanda en Afrique subsaharienne. Donc pour ne pas rester dans donc on dira, comme quelques-uns nous disaient souvent que tel pays est la première puissance économique du monde après tel et tel. Chez nous aussi, on pourra dire que le Cameroun est la première économie la plus résiliente en Afrique subsaharienne après celle du Rwanda. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Alors, c'est peut-être ce qu'il faut comprendre. Alors, tel qu'il est décrit d'ailleurs dans ce rapport Moody's, il est question de présenter le Cameroun comme une économie qui est capable de résister aux chocs qui lui sont imposés par des facteurs de l'économie mondiale qui gouvernent, vous permettez la répétition, cette économie en fait. C'est-à-dire que les facteurs qui sont dépendants du cours des marchés à l'extérieur, justement, des orientations que prennent les grandes économies ou alors de la relation que nous avons avec un certain nombre de partenaires sur le plan bilatéral ou multilatéral. C'est-à-dire que dans les partenariats de pays à pays ou bien dans des partenariats que nous avons avec des groupes, des entités économiques ou bien alors des entités géographiques qui se sont constituées et qui deviennent finalement des puissances économiques. Et donc, ce qu'il faut constater aussi, c'est que cela donne, en termes de crédibilité au Cameroun, d'une capacité à pouvoir assumer ses engagements sur le plan justement du respect de ses engagements vis-à-vis des partenaires, de ceux qui viennent investir ou bien de ceux vers qui le Cameroun a tendu la main, soit pour emprunter, soit pour négocier à long ou à court terme, moyen terme, n'est-ce pas, un certain nombre d'investissements sur le pays qui coûtent et que le Cameroun, d'une manière ou d'une autre, doit assumer, doit rembourser. Et donc, lorsqu'on regarde ce classement, cela vient démontrer que, nonobstant les conditions difficiles dans lesquelles le pays se trouve,
et qui l'amène à avoir un peu plus de dépenses qu'il n'avait planifiées il y a 10 ans, le pays est à même aujourd'hui encore de faire face à un certain nombre d'engagements et a donc une marge de manœuvre qui lui permet aujourd'hui de se présenter sur la place internationale et de dire « je voudrais, je vous propose avec la capacité de pouvoir honorer mes engagements » pour être un peu moins technique que les économistes qui viendront nous décrire parcelle par parcelle justement les éléments et les ingrédients de ce rapport. En somme, cela voudrait dire que le Cameroun aujourd'hui peut se présenter à l'échelle internationale et donner le visage d'un pays qui est capable d'honorer ses engagements parce qu'il a de la ressource. Comme on vous dira, vous savez encaisser et que peut-être c'est en encaissant que vous avez la capacité de donner aussi des coups les plus poignants à votre adversaire. Et donc, si on voulait réduire ça à un combat de boxe, on dira du Cameroun qu'il est un bon puncher, qui sait aussi encaisser, en tout cas qui a même une grosse capacité pour pouvoir encaisser les coups qui lui viennent de l'adversaire ou de l'extérieur. Alors, dès qu'on a fini de le dire, cela décrit aussi justement l'environnement, parce que le rapport Moody's vient décrire une économie camerounaise qui justement ne s'est pas fixé sur un certain nombre de produits qui ne dépendent surtout pas de ses forces intérieures. Et la diversité de cette économie lui donne donc la capacité de ne pas se sentir totalement anéanti lorsque les variations, les mutations et autres fluctuations justement de prix, de matières premières, de cours d'un certain nombre de produits à l'étranger se font ressentir à l'échelle internationale, asphyxient d'autres économies et malheureusement sont devenus un fardeau pour ces économies-là, pourtant éléments de richesse de ces économies. Donc le Cameroun arrive à travers la diversité de son économie, dit ce rapport, à travers justement ses possibilités d'entrée multiformes et à travers peut-être le dynamisme de son économie à être résistant vis-à-vis de ces facteurs. Maintenant, lorsque vous avez ces ingrédients, vous vous souvenez quand même qu'il n'y a pas longtemps, d'autres classements comme ceux du Doing Business nous faisaient perdre des points comparé à l'année dernière et que globalement, les hommes d'affaires se plaignent souvent de ce que l'environnement des affaires ne facilite pas, n'incite pas suffisamment justement à l'investissement. Le gouvernement lui présente un certain nombre d'éléments d'avancement qu'il a mis sur le devant de la scène depuis une décennie qui devrait permettre, à défaut d'avoir une embellie totale de cet environnement des affaires, des avancées significatives qui aujourd'hui peuvent être considérées pour ce gouvernement-là comme étant des éléments qui viennent justement d'être confirmés par ce rapport Moody's. En tout cas, je dirais néanmoins que ça reste un vrai challenge, la gestion de ce classement au sein du contexte actuel, vu le contexte actuel. Oui, effectivement, parce que vous savez très souvent, et ça c'est un des malheurs qui nous arrive de manière récurrente, lorsque vous avez une petite note positive ou alors une note qui vient donner une image appréciable d'un secteur ou d'un pan de l'activité, même de la vie nationale, on a tendance parfois à le prendre avec un brin de triomphalisme. Et c'est parfois le piège dans lequel nous tombons. Autant nous rejetons tout ce qui décrit les mauvaises habitudes ou les mauvaises images de notre pays sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des droits de l'homme et autres, autant à chaque fois que nous avons un élément comme celui-là qui vient nous donner une certaine embellie, nous sommes à la limite même preneurs, plus que preneurs et parfois triomphalistes au point d'oublier que qui justement dit merci, si on pourrait utiliser cette expression, en demande davantage. Et que ce type de rapport, quand il nous tombe dessus avec des points positifs, il nous indique certainement que nous sommes à un niveau où nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à l'erreur parce que cette résilience-là, elle n'est pas figée. Cette résilience-là, on ne devrait simplement pas se contenter de ces points Moody's. Cette résilience-là, elle peut subir le fait inverse. Si nous restons dans une dynamique triomphaliste, dans un air de suffisance, alors que nous sommes conscients justement des pressions que cette économie vit, avec soit la situation sécuritaire, soit avec justement notre trop dépendance de l'extérieur, ou l'endettement qui est quand même conséquent, même s'il n'est pas encore à la lie. Parce qu'il faut le dire, le gouvernement camerounais, et d'ailleurs certains standards internationaux le confirment, nous sommes justement dans une dynamique d'endettement peut-être exceptionnelle, mais nous n'avons pas encore atteint ce que quelques-uns disent en matière de chiffres, la limite. Et donc cette limite-là, nous ne souhaitons pas l'atteindre.
Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas se contenter de ce type de rapport. Il faut se souvenir qu'il n'y a pas longtemps, le « doing business » nous disait quelque chose qui n'était pas très agréable pour notre environnement de l'économie. Il faut se dire que si nous avons aujourd'hui la possibilité de capitaliser un classement comme celui de Moody's, cela devra se faire par les bonnes habitudes. C'est vrai que Moody's dit que le gouvernement camerounais essaye au maximum de mettre un certain nombre de réformes quant à la maîtrise de la dépense publique et de la gestion de sa dette, mais il faut aller au-delà de cela. Il ne faut pas se contenter et justement jouer dans cet air triomphaliste à la gabégie, parce que c'est parfois ça le danger. On nous dit que nous avons cette capacité de résilience, que nous avons de bonnes habitudes managériales que nous essayons de mettre. Et demain, vous allez voir que la dépense publique, l'endettement et peut-être le retour à un certain nombre d'intentions de gabégie vont faire place dans cet environnement sous le fallacieux prétexte de ce que nous avons une économie résiliente. Et en cela, on va se demander si la querelle des chiffres et d'autres éléments d'appréciation ne peuvent pas renaître, ne peut pas renaître cette querelle-là. Est-ce que, justement, ce classement Moody's ne nous invite pas beaucoup plus à la vigilance, beaucoup plus, justement, au regard objectif que nous avons des réalités actuelles pour que nous ne passions pas demain de la résilience au chaos ou à l'abandon de nos forces, et que nous puissions plutôt capitaliser un élément comme celui-là pour finalement donner des éléments de confiance à nos partenaires et à nous-mêmes. Et puis au-delà, il faut que cela se ressente dans notre économie. Quand vous avez le Rwanda qui est cité comme premier pays, vous avez des investisseurs d'un certain nombre de poids qui arrivent. Vous avez Volkswagen avec sa chaîne d'industrie, justement, de golf, vous savez de quoi je parle, et même au Coco, qui s'y installe. Vous avez d'autres grosses pointures, justement, de l'industrie internationale qui viennent au Rwanda. Cela se manifeste à travers un certain nombre de comportements et de règles strictes qui font aujourd'hui que le Rwanda peut justement faire ressentir, malgré quelques querelles sur ces chiffres qui sont apparus récemment, ce Rwanda-là peut faire ressentir ce type de classement. On peut le voir. Et chez nous, nous ne demandons qu'à voir de manière palpable, dans le quotidien, sur le panier de la ménagère, cette capacité de notre économie à être résiliente. Voilà. Vous avez bien fait de chuter par le panier de la ménagère. On sait que ce que vous faites tous les lundis, les mercredis, les vendredis relève évidemment d'un exercice intellectuel ou je crois que c'est intellectuel, non? Tout à fait. Et pour cette raison, vous devez bien manger, évidemment, pour bien entretenir ce quotient intellectuel. Et ce matin, on vous recommande de consommer du Hero and Water Fufu, parce que le Water, le Hero est très, très riche en fibres, en énergie également. Donc, ce serait vraiment parfait pour minute vous. Minute gourmande. Allez, merci encore, M. Ndombopati Christian. On vous invite à regarder la minute gourmande pour le menu de ce matin. Fufu and Water Fufu and Hero.